Medibel Axe Challenge. Que font les gens après? Est-ce qu'ils font un suivi? Est-ce qu'il y a des success stories? Est-ce qu'il y a des déclics? Est-ce qu'il y a des réussites? Oui, mesdames et messieurs, et c'est pour ça que nous sommes fiers et que nous vous recevons. Et je vais appeler trois lauréats du Medibel Axe Challenge qui vont me rejoindre. Yassir Kelmouch, Mehdi Sakoud et Mohamed Idrissi. Mohamed Idrissi, je suis actuellement chef de projet web et mobile au sein de l'ADSI Medibel. J'ai fait partie des participants de la première édition et heureux gagnant de cette édition. Merci. Alors, cet événement a été un déclic pour toi. Alors, tu n'es pas seulement gagnant, mais c'est une success story. Tu passes de l'autre côté, tu es maintenant avec Medibel. Alors, expliquez-nous ce déclic. C'est sûr que pour moi, ça a été un vrai déclic qui a boosté énormément ma carrière parce que déjà, le développement mobile au départ, avant ces concours, c'était pour moi quelque chose de méconnu. C'est grâce à ce concours-là, Medibel Axe Challenge, que j'ai fait mes premiers pas. Donc j'ai découvert le développement mobile et qui est devenu par la suite mon métier que j'exerce actuellement. Merci beaucoup, Mohamed. On te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Et j'ai avec moi aussi, si Mehdi Sakoud, ça va? Ça se passe bien? Toi, tu n'es pas avec Medibel pour la simple raison que tu m'avais créé ta boîte avant. Mais le Axe Challenge t'a ouvert beaucoup de portes. Il t'a permis en premier de gagner, d'exister, plus qu'avant. Alors, tu peux nous expliquer tous ces changements que tu as vécu et comment tu les as vécu? Bonsoir tout le monde. Voilà, je suis Mehdi Sakoud. Je suis Chief Technology Officer au sein de Mobiocube, startup spécialisée dans le développement des applications mobiles. En fait, mon expérience a été très enrichissante au sein de Medibel Axe Challenge. Ça m'a permis non seulement d'assurer une certaine visibilité au niveau de ma communauté web et mobile au Maroc, mais également de renforcer ma position de CTO vis-à-vis des investisseurs et des advisors pour le lancement de mon nouveau produit qui sera une application mobile qui s'intitule Just Send. Voilà, que du bon, et la bonne chose pour le pire. Et on est avec nous, Wild Dar, Yassine, j'ai le plaisir de voir. Alors, Sparkle, les gars, très sympathique, limite heureux, hein? Ah oui, il faut le dire. Hein. Et c'est bien, ça veut dire. il faut le dire, ouais. Tu es passé de l'autre côté quand même, hein? Exactement. C'est impressionnant d'envoyer une demande à Medibel. Ouais, non, tiens, tu leur envoies une demande et c'est Medibel, c'est grand et je ne connais pas et on la connaît à travers peut-être les promotions, les téléphones, les abonnements. Exact. Et après, tu te retrouves dans un bureau avec tout ce beau monde en croisant le directeur central, en parlant avec le directeur web, en voyant peut-être le directeur général. Tout à fait. Waouh. Il faut dire que je suis heureux et chanceux à la fois parce que c'est vraiment génial de travailler, d'être déjà un ancien gagnant du Medibel Axe Challenge et de retrouver derrière l'équipe qui travaille sur le concours. Ça me permet en fait de comprendre les coulisses qui se passent dans les coulisses, mais surtout, je pense que c'est un coup de pouce pour l'équipe parce que je comprends mieux en fait les attentes du développeur, etc., ce qui se passe comme étant participant. Et il faut dire aussi de mesurer les efforts fournis derrière, parce qu'il faut dire qu'il y a de grands efforts fournis. Je remercie toutes les équipes qui ont veillé à la réussite de ce concours. Merci à vous.